Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Nous voici au moment où je vais vous faire rapport sur l'opération des achats des instruments que nous avons lancée ça fait 2 mois. J'aimerais ici remercier tous ceux qui ont répondu à cet appel et aussi d'autres qui n'ont pas encore répondu. Que Dieu aussi puisse vous bénir. Bien-aimés, en effet, en lançant cette opération, l'objectif était de recueillir 5 000 $ pour acheter des instruments pour Dieu. À la date du 8 juin, nous avons recueilli 1 700 $. Et avec ces 1 700 $, nous avons acheté le premier lot des équipements. Nous avons acheté le groupe électronique de 6 KVA d'une valeur de 1 450 $. Nous avons acheté aussi le mixeur de 12 pistes d'une valeur de 250 $. Vous verrez les images de ces équipements. Donc, il nous reste à mobiliser 3 300 $. Beaucoup, vous avez été touchés par l'appel qui a été lancé, mais vous avez connu des circonstances difficiles. D'autres ont eu des cas de deuil, d'autres ont eu des circonstances de maladie dans des familles. Et ils n'ont pas pu répondre à cet appel. Nous voulons, par ce message, lancer un deuxième appel pour la continuité de cette opération. L'objectif étant de recueillir 5 000 $ pour acheter les instruments pour Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Nous croyons au Dieu qui nous a donné cette commission. C'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui enrichit. Et nous croyons aussi. Vous qui êtes bénis par nos émissions, vous qui êtes bénis par ce que nous faisons, nous croyons aussi que Dieu est capable d'agir encore davantage. Nous allons inviter nos bien-aimés, vous qui avez donné dans la première partie de l'opération, vous pouvez encore vous joindre pour multiplier vos efforts afin que Dieu puisse vous bénir. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Je crois que tout ce que nous mettons dans l'œuvre de Dieu, nous ne le perdons jamais. Avec le temps, nous le retrouvons d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes touché par cet appel, par la continuité de cet appel, nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont souscrire encore. Pour 50 $, pour 100 $, pour 150 $, à nous remettre à la fin du mois de juin ou à la fin du mois de juillet. Au plus tard, le 31 juillet, nous allons clore cette opération. Frères et sœurs, je connais des gens qui ont été bénis en achetant des instruments pour l'Église. Je connais des gens dont Dieu leur a donné la victoire dans les combats. Quand ils ont mis quelque chose dans l'autel de Dieu. Un autel sans sacrifice, c'est un autel sans puissance. Le sacrifice parle délivrance, guérison et miracle. Je crois en Dieu, toi qui traverses des moments difficiles. Voici une opportunité que Dieu donne de soutenir son œuvre, de s'aimer dans son église pour être béni. Par la grâce de Dieu, nous sommes une bonne terre et nous promettons de bien gérer vos dons et vos contributions. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Envoyez vos contributions sur les coordonnées qui passent sur votre écran. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci, shalom et à la prochaine.